Marco Mendes. C'est à ce type que le doc a loué l'appartement de Marble Street. Et si c'était lui, le tueur aux origami? Je suis prête à tout. Enfin, je crois. Le barman. Il pourra me dire où se trouve Paco. Paco Mendes. Le type à qui le doc a prêté l'appartement où Ethan devait se trancher le doigt. Un type pas recommandable à ce qu'on m'a dit. Il faut que je le trouve pour lui poser quelques questions. Tout va bien se passer. Je trouve ce type, je lui pose 3 questions et je décampe d'ici. Je me suis pas encore remise de ma rencontre avec le doc. J'ai rien contre la techno, mais celle-là est un peu forte. Je cherche Paco. Paco Mendes. Quoi ? Paco Mendes. Vous connaissez ? Un peu. C'est mon patron. Il est là-bas, dans le carré VIP. Ok. Merci. Le coin réservé aux invités de marque. Ça doit pas être difficile à trouver. Le barman m'a dit que Paco était dans le carré VIP. Il faut que je parle à Paco. C'est impossible. Monsieur Mendes a demandé à ne pas être dérangé. Paco apprécie les filles sexy et pas très farouches. Peut-être qu'en dansant pas loin de lui, je pourrais attirer son attention. Si je voulais jouer les animaux, je crois que c'est raté. Il n'en a même pas jeté un regard. Si je veux attirer l'attention de ce type, il va falloir que je me rende un peu plus sexy. Il faut que je trouve un endroit tranquille pour me changer. Le moment est venu de jouer la bimbo.
Je suis vraiment prête à faire n'importe quoi pour obtenir une information quand j'y pense. J'ai l'impression que tout le monde me regarde. En même temps, l'objectif n'était pas d'être discrète. Paco, mon ami, on va voir si t'es capable de résister à ça. Ça marche. Bien. Désolé, c'est réservé aux invités. Eh, c'est pas le garde du corps qu'il faut séduire. Pour Paco, il va falloir trouver autre chose. Eh, merci d'avoir accepté ma petite invitation. Des nouvelles ici ? Je pense que je t'aurais déjà remarqué, sinon. Je m'appelle Paco. Toi ? Madison. Je m'appelle Madison. J'aime beaucoup ta façon de danser, Madison. Et je te trouve aussi très sexy. Nous pourrions peut-être continuer cette conversation dans un endroit plus... privé. Oh, bien sûr, poupée. Viens, suis-moi. Il n'y a plus qu'à le suivre jusqu'à son bureau. J'ai les jambes qui tremblent. C'est pas le moment de me dégonfler. Tout va bien se passer. J'ai un plan. Je sais exactement ce que je fais. Ce type est franchement répugnant. Je crois que je suis en train de faire la plus grosse connerie de ma vie. Je rentre, je lui fais cracher le morceau et je me tire vite fait avant qu'il ameute ses gardes. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Bien. Sois la bienvenue dans mon petit royaume. File-moi ça. Crois-moi, t'en auras pas besoin, ma jolie. Vas-y, montre-moi ce que tu sais faire. Allez, vas-y, désabde-toi. Enlève tout ça, bébé. On pourrait peut-être prendre un verre. Juste, histoire de briser la glace. En ce qui me concerne, la glace est déjà brisée. Allez, poupée. Vas-y, bouge-moi tout ça. On pourrait peut-être parler d'abord. Crois-moi, je t'ai pas fait monter pour papoter, chérie, loin de là. Allez, montre-moi ce que tu sais faire. En fait, je crois qu'on s'est mal compris. Voilà tout. Je vais y aller. Je suis désolée. Une prochaine fois, peut-être. Crois plutôt que c'est toi qui as mal compris, chérie. J'aime pas perdre mon temps. Alors maintenant, tu te fous à poil ou je te refroidis. Tu m'as bien compris? Oh.
S'il me touche, je vomis. En attendant, jouer son jeu pour gagner du temps. La lampe. Si seulement je pouvais trouver un moyen de l'attraper. Je crois que j'ai trouvé. Continue, bébé. Je crois que tu commences bien. J'ai toujours su que je faisais de l'effet, mais pas à ce point-là. Bon, maintenant il faut le réveiller. J'espère que j'ai pas tapé trop fort avec la lampe. Bon, maintenant il faut le réveiller. J'espère que je n'ai pas tapé trop fort avec la lampe. Si t'essaies de crier, je te descends. Pigé ? Merde. Qu'est-ce que tu me veux ? Tu loues un appartement sur Marble Street. Je veux savoir pourquoi. Un appartement ? Je vois pas du tout de quoi tu parles. Ah ! Espèce de salope, je vais te crever ! Ah, t'as pas le cran de me coller une bastos. Dommage, parce que quand je t'aurai retrouvé, moi j'hésiterai pas. Paco ! Est-ce que tout va bien ? Si tu tiens vraiment à tes couilles, Paco, tu ferais mieux de cracher le morceau. Qu'est-ce que tu fais ? Arrête ! Arrête ! J'arrêterai quand tu m'auras dit ce que je veux savoir. J'ai jamais foutu les pieds dans cette porte ! J'ai filé les clés à un type ! Il cherchait un endroit ! Il avait de quoi payer ! Comment il s'appelle, ce type ? Je sais plus, je le jure. Shepard, il s'appelle John Shepard, c'est tout ce que je sais, je le jure. Eh ben voilà, c'était pas si difficile. Bon, désolé de ne pas terminer cette charmante soirée avec toi, mais il faut que j'y aille. Un de ces jours, mon grand. Bon, eh ben, je m'en suis pas si mal tirée, finalement. Il est temps que je dégage d'ici. Plutôt efficace, ma méthode pour faire parler les hommes. Le nom qu'il m'a donné, John Shepard. Est-ce que ça pourrait être le nom du tueur ? Je vais vite être fixée. Il réfléchira à deux fois avant de refaire monter une fille dans son bureau.
viens voir Paco. Paco ? Y a pas de Paco ici. Alors dégagez. Vous êtes absolument certain ? Il est dans son bureau. C'est l'escalier, là-bas. Sur l'appartement de Marble Street. C'est pas ce que tu y fous exactement et je ne veux pas savoir. Et ça commence à attirer les flics des histoires. Écoute, je sais que tu m'as évité d'aller en tôle. Et cette salope a failli me tuer. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Je crois que j'ai payé ma dette. Et... Mais déconne pas, hein. Ah. Attends, tu peux encore t'être utile. Ah. Ah. Le type qui est venu voir Paco, il le connaissait ? Désolé, je parle pas au poulet. Écoute-moi bien, connard, parce que j'ai pas de temps à perdre. Est-ce que Paco connaissait ce type ? Oui ou non ? John. Je faisais appeler John. Tout ce que je sais, vous le connaissez bien. À ce rythme-là, je vais finir en pièces détachées. Cet enfoiré m'a fracassé les cervicales. On tue un suspect, on essaie de me supprimer. J'espère que ça veut dire que je suis sur la bonne piste. Paco connaissait l'identité du tueur. C'est pour ça qu'on l'a tué. Il aurait pu me tuer. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait ? Tiens, tiens. On dirait que je suis pas le seul à suivre la piste du tueur.
Madison Page, une journaliste. Intéressant. Encore Madison Page. Elle a peut-être vu quelque chose ? Des phéromones d'orchidées. L'homme était bien le tueur aux origamis. Eh ben, Paco n'était pas exactement un saint. Son casier judiciaire ressemble à un annuaire téléphonique. On dirait que le tueur cherchait quelque chose. La poche du tueur que j'ai déchirée pendant qu'on s'est battu. Deux reçus de la même station-service. Intéressant. Un calibre 45 semi-automatique. Pas d'empreinte digitale. Ça aurait été trop simple. Calibre 45. Une balle en pleine tête. Il est mort sur le coup. Merde, je suis dans une impasse. Tout ça ne m'a mené à rien. Je commence à trembler et à avoir des sueurs froides. Il vaut mieux que je me dépêche de retourner à l'hôtel. Le tueur a peut-être laissé des indices dans le bureau. Il faut que je rentre. Je dois réfléchir à tout ça. Il faisait sombre et tout est allé très vite. J'ai pas eu le temps de voir son visage. Décidément, j'arrête pas de dérouiller en ce moment.
Ethan? Est-ce que ça va? Je n'ai pas pu. Je devais le tuer pour sauver Sean. Mais je n'ai pas pu. Vous n'êtes pas le tueur aux origamis, Ethan. Vous n'êtes pour rien dans tout ça. J'en ai la preuve. Qu'est-ce que ça change? Tout ce qui compte maintenant, c'est de sauver Sean. C'est la seule personne en qui je peux avoir confiance. Mais ce que j'ai à faire maintenant, je dois le faire seul. Peut-être que dans d'autres circonstances, ça aurait pu coller entre nous. Dors encore. Pas d'adieu, pas d'explication. Je vais partir avant qu'elle se réveille.
le canot origami et je retrouverai mon fils. J'aurais dû deviner. Pendant tout ce temps, je n'ai rien vu. Ethan, qu'est-ce qui se passe? Je pensais que tu ressentais quelque chose pour moi. Écoute, je... Alors que tu n'étais qu'une putain de journaliste! Ethan, je voulais tout avouer, mais... C'est quoi l'article que tu voulais écrire? Ma vie avec un tueur en série? Ou comment j'ai fait arrêter le tueur aux origamis? Peut-être que t'écriras un best-seller. J'espère que ça valait le coup! Ethan, ce n'est pas ce que tu crois, je... Tu m'as menti, Madison. Pendant tout ce temps, tu m'as menti. Je pensais que tu voulais m'aider, mais toi, tu pensais qu'à ton putain d'article! C'est vrai. Je suis une journaliste. Je savais que tu étais le père du gamin qui avait disparu et... Et je voulais couvrir l'affaire. Et puis, j'ai vu ce que tu endurais pour sauver ton fils. Et je... J'ai compris combien tu l'aimais. Plusieurs fois, j'ai voulu te dire la vérité. Mais j'ai pas pu. J'ai eu peur que... Que tu ne me crois pas. Que tu me demandes de partir. Tout ce que je veux, c'est que tu retrouves ton fils vivant. Et quand tout sera terminé, je veux rester avec toi. Je suis désolée, Ethan. Tellement désolée. Tu vas repartir. C'est ça? C'est le dernier origami. Les dernières lettres, et je saurai où est Sean. Fais attention à toi. Je ne veux pas te perdre. Je vais chercher quelque chose à manger. Attends-moi, je reviens dans 10 minutes. On va retrouver son fils et prouver son innocence. Maintenant qu'il sait qui je suis, je vais pouvoir l'aider. J'ai eu tellement peur qu'il ne me croie pas. J'ai été stupide. J'aurais dû tout lui avouer avant. Je crois que je suis vraiment amoureuse. Maintenant, il faut qu'on retrouve son fils. Et je crois que je sais par où commencer. Les flics, ils sont venus pour Ethan. Ils vont cerner la chambre et donner l'assaut. Il doit bien y avoir un moyen de prévenir Ethan. Il faut que je trouve quelque chose, et vite! Qu'est-ce qui se passe? C'est énorme. On se croirait à la télé. Un truc de dingue.
Le tueur aux origami a pris une chambre dans mon motel. Il s'est enregistré sous un faux nom. J'ai reconnu son visage. Merde, c'était quoi déjà le numéro? Allez, réponds! Je t'en prie, réponds! Oui. Les flics, ils sont dans le motel. Il faut que tu partes tout de suite. Il s'enfuit! Attrapez-le! Il se barre par le balcon. Je suis désolée, Scott. Vous auriez dû m'écouter, Monsieur Shelby. Je vous avais dit de laisser tomber cette enquête. Votre fils est un tueur en série. Combien de personnes faut-il encore qu'il tue pour que vous le dénonciez? Gordy a ses défauts, mais c'est mon fils. Vous n'avez pas d'enfant, Monsieur Shelby. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne me laissez pas le choix. Je vais devoir clore votre enquête. Oh! Définitivement. Réveillez-vous ! Lorraine !
réveillez-vous. Lorraine. Je voulais reprendre la natation. Et je voyais pas ça comme ça. Est-ce que vous avez une voiture? J'ai peur que la mienne soit plus en état. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous allez faire? J'ai des comptes à régler. Venez, je vous ramène. Enfermez-vous à double tour et n'ouvrez à personne d'autre que moi. C'est compris? Allez. Sois prudent, Scott. Je veux pas te perdre. N'approchez pas! N'approchez pas où je tire! T'enfoiré! Pitié! C'est ton taré de fils qui a tué ses enfants! C'est lui le tueur aux origamis! Non! Non, il est innocent! C'est pas un assassin! C'est pas un assassin! Espèce d'enfoiré! Tu vas me dire la vérité! Non! Je vous en prie, ne me faites pas de mal! Dernière chance! Je sais rien, je le jure! Je sais rien du tout! Arrêtez, arrêtez! Je vous en supplie, je vais vous dire tout ce que je sais! Gordy! Il voulait juste s'amuser. Il voulait...
copié le tueur aux origamis. Il a enlevé ce gamin. Il lui a mis la tête sous l'eau un peu trop longtemps. C'était un accident. Un regrettable accident. Il voulait juste jouer. Il m'a avoué. Il était en larmes. Il regrettait tellement ce qui s'était passé. Quoi qu'il ait fait, Gordy. Gordy est mon fils. Personne ne le regrettera. Quoi ? Le petit gars que Gordy a tué. Il ne manquera à personne. Un pauvre nègre, comme il y en a des milliers. Ah. T'es qu'une putain d'ordure. Et John Shepard, pourquoi est-ce que tu fleuris la tombe de ce gamin ? J'étais propriétaire du chantier où il est mort. Je n'ai jamais oublié. Ça fait maintenant 30 ans que je fleuris sa tombe. Et le frère jumeau de John, qu'est-ce qu'il est devenu ? Je ne sais pas. Il a été adopté, je crois. Sa mère. Sa mère doit savoir. Elle s'appelle Anne. Anne Shepard. Mon cœur ! Mon cœur ! Vite ! Les pilules ! Dans le tiroir, là ! Si je le laisse mourir, je ne vaux pas mieux que lui. Je peux pas le laisser mourir, même si c'est un sale type. Sauver la vie. Je le regrette déjà.